Salut tout le monde, c'est Kizae et bienvenue pour l'épisode 41 de Xenoblade Chronicles. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, écoutez, je voulais juste me dépasser un tout petit peu, mais je pensais pas en fait que ça allait déclencher la suite du jeu. Donc si vous vous rappelez, on avait exploré à fond l'usine principale dans le dernier épisode. On avait désactivé diverses barrières pour nous permettre de nous rapprocher d'Agnirata, la capitale, là où se loge Egil. Et on avait aussi découvert bah justement son atelier, là où il crée les fascias. Et puis voilà, voilà. Écoutez, je voulais juste avancer un tout petit peu, enfin me déplacer un tout petit peu, puis commencer l'épisode. Sauf que ça a déclenché le combat contre... Alors ouais, ça serait mieux si je coupe le son de la télé. Donc ça a déclenché le combat contre ces deux Mekons, M88. Bon bah écoutez, allons-y ma foi. Je pensais pas que ça allait déclencher tout de suite un combat, c'est ça le truc. Mais en fait, si. Bon bah, ma foi, merde. Hein. Alors, bon, on va essayer de s'en sortir convenablement, parce que ça va pas être du gâteau. Merci, Charla. Bon, ça devrait aller normalement, mais ils sont quand même niveau 64, hein, donc faut faire gaffe. Là, va sans doute falloir que j'aille XP ou faire de l'XP ou aller faire des quêtes, histoire de bah, XP tout simplement. Parce que je pense que là, la suite va être un peu plus corsée. Bon, en tout cas, on est au pied d'Agnirata. Hein. On est vraiment en train d'arriver à la capitale d'Agnirata. Sauf que bon. Je pensais pas que ça allait m'enchaîner tout de suite sur un pseudo combat de boss. Je pensais qu'il y avait un petit peu de marge encore, mais en fait, que dalle, ça enchaîne mais immédiatement quoi. J'ai été vraiment pris de court là, ouais. Là, franchement, j'ai été pris vraiment de court. Je pensais clairement pas qu'on allait avoir droit à un combat tout de suite. Oh putain, ça a pas enchaîné avec Charla, fait chier. Écoutez, on y est, hein. On continue. Allez. Putain, 6000 d'XP quand même, hein, la vache. C'est pas rien, quoi, 6000 d'XP. Ah, trop tôt. Normalement, je le dis, ça devrait passer facile. Enfin, facile, ça devrait passer. Ouais, tranquille quoi. Juste faire attention, mais. Normalement, ça devrait passer tranquille. Je sais pas si j'ai réussi le truc. Ah, si. Parfait! Ouais, je vous dis, je m'étais juste téléporté là, et j'avais un tout petit peu avancé, et là je vois le truc du combat qui se déclenche, je fais « Eh merde !» Bon bah au moins c'est pas grave. Au moins ça a marché. Allez, bah du coup on continue. Ouais, là on va arriver à Agnirata, on va arriver vraiment à la capitale de Mekonis. Hein. Voilà, donc, transporteur. On a atteint le but. Voilà, ça va être le transporteur par capitale. C'est exactement ça. Je crois qu'on aura droit à une cinématique normalement. いつぞやの決戦の時のように蹴散らしてくれるわ。いけるか。当然だ。これだけの戦力があればシルクがいなくともな。ったく小僧に面倒かけさせたくないだけだろ。素直じゃねえな、リサ。さよ、ほっとけ。4号師団は全出力を障壁の位置に投入せよ。
6号師団はホムス軍の負傷者を支援せよ。 こいつはいい。 ハイエンターども生っちろいやつばかりだが役に立つじゃないか。 あのバカ者が むやみやたらと突っ込みおって。 今のところは我々が優勢と見てよいかな。はい、このまま戦況が推移すれば我が軍の大勝利に間違いはありません。まだ早いよ、そう思い込むのはね。敵はまだ戦力を隠している。殿下、敵増援上空より接近。顔つきの部隊です。 1から3号師団! ホムス部隊を支援しつつ顔つきを包囲せよ! 殿下! それでは殿下の直営が! 前衛が崩壊したら結局は戦うことになる! 幽閉となるよりマシだ! 急げ! 雑魚がいつまでも気分出してんじゃねえよ! どこの誰かは知らねえが悪く思うなよ。 鼻から決まってんだよ、 こうなるってな。 意外と使いこなしてるじゃない。 ちょっと嬉しくなっちゃうかも。 でもまだまだこんなものじゃないわ。 この子たちの本当の力は。 貴様ら! 後ろから耳っちい戦い方しやがって! この俺が性根を叩き直してくれるわ! Et ouais! Le colonel Moustache est toujours là! Toujours! Parfait, donc là on est où? Là on est à Agnirata ou on est encore dans l'usine? Non, là on est à Agnirata. Ah, la musique aussi, putain. Par contre, il y a un niveau que j'ai loupé dans la dans l'usine. Il va falloir que j'aille voir ça après. Oh putain, la musique d'Agnirata aussi. Et donc nous voici la capitale impériale d'Agnirata. Bah, notre dernière étape, hein, à moi et Gil. Va y avoir du chemin encore à faire aussi. Comme d'habitude. Ah putain, mais cette musique, j'avais oublié comment elle était cool aussi. Elle était belle. Ah putain. Voilà donc la capitale de Mekonis. Oui, Agnirata. Le cœur de la civilisation Machina. L'endroit est si désolé. Il n'y a aucun signe de vie. C'est vraiment une ville fantôme. Vilaine ville, Riki veut s'en aller. Alors c'est les Machina qui ont bâti cette ville. C'est du beau boulot. On dirait que ces bâtiments ont été construits il y a fort longtemps. Regarde, Shulk. Gros dino mange la ville. Un gros dino, ici? Donc un Télésia, hein, bien sûr. Comment est-ce possible? C'est
C'est un Télésia. On dirait qu'il est en pierre. Que vient faire un Télésia dans un endroit pareil? Ces fossiles sont tous qui restent des Télésia qui ont attaqué la capitale lors de la bataille légendaire. Pourquoi les Télésia ont-ils attaqué votre ville? Je croyais que la bataille légendaire impliquait seulement Bionis et Mekonis. La réponse à cette question vous attend dans cette tour, au centre des archives. Ah, c'est l'heure des révélations, je pense. Je vous invite à découvrir par vous-même. Alors seulement, vous comprendrez ce qui s'est passé entre Bionis et Mekonis. Eh ben très bien, Vanea. On va aller explorer tout ça. Oh non, mais cette musique, ils peuvent pas la mettre, hein. Ça me donne des frissons partout là. Ah oui, j'avais oublié aussi toutes les quêtes qu'il y avait à faire ici. Oh mon dieu. Eh oui, tous ces petits distributeurs de trucs bidules, machin chouette, ça donne des quêtes. Alerte, l'intégrité d'un Narnita est menacée. Les infrastructures ont besoin d'être entretenues. Mission, récolter des matériaux pour réparer les bâtiments. Alors, bon là, faut récupérer des matériaux. Matériaux requis, pièce 9S et diode féerique. Voilà, donc là, de la récolte de matériaux. Voilà, donc là, c'est toujours la même chose. Alors, pièce 9L et ressort vigne. Ok. Alerte, une unité trop puissante a été détectée. Les unités méconites doivent être de force égale. Tout déséquilibre pourrait entraîner une insurrection. Punissez le contrevenant. Alocer, le vagabond, près du pilier de Hellas à Agnigrata. Donc un monstre unique. Position actuelle, pilier de Hellas. Donc là encore une fois, un autre mécon unique à battre. Grémory le sage. Lui va être chaud par contre. J'avais tenté dans ma partie, j'en avais chié. Alors, désobéissance aux ordres, neutralisation requise. Donc, 5 Mekon M67 Hast. Ok, ça marche. Je crois que t'en as une autre, voilà. Alors, 6 Mekon M36 Sacre. Encore une autre? Ouais. J'ai envie de dire autant ramasser tout, hein. 3 mécon offensives braves. Bon, ça rapporte pas d'XP, mais ça rapporte de l'argent. Après oui, bien sûr, les monstres à buter nous rapporteront de l'XP, ça c'est clair. Alors, désobéissance aux ordres, donc là c'est la même chose. 6 mécon M55. Alors, 4 mécon M67 radar. Encore une? Ouais. Alors, M87 grand, ok. Oh putain, encore des ennemis uniques. Vapula le pensif. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Orobas la cariatre. Putain, il va falloir bien faire pas mal de trucs, là. Là, c'est quoi, des trucs de matériaux? Ah non. Erreur, données insuffisantes, des échantillons de petits Télésia sont nécessaires. Retrouvez les 4 spécimens indiqués. Ah là, je pense qu'il faut examiner les 4 Télésia. Ok, et on a un marchand. Quand même, ah oui. Hein. C'est bizarre, j'ai vraiment pas trouvé les... Ah voilà, ça c'est ça qu'il me faudrait. Les ailerons... épée pour comment elle s'appelle, pour Fiora. Hop, ça je vais l'équiper. Ainsi que tout le stuff vitesse également, on en aurait bien besoin. Vitesse 2. Putain,
Putain, ouais, Vélocité 5. C'est vraiment des trucs de fou, quoi. Ah, la Fiora, elle peut être bien balèze, hein, mine de rien. Bon, je crois que physiquement, ça change pas, mais... Ça change pas son apparence. Oh, peut-être ça va juste la passer en rouge. Ouais, voilà, c'est juste un changement de couleur. Mais au moins, elle sera bien pétée, la Fiora, comme ça. Ok, bah il est temps d'en apprendre un peu plus encore sur Bionis et Mekonis. Oh non, Fiora, non! Là, franchement, si vous me dites que la musique, elle est pas belle, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut, sincèrement. Je sais pas. Il faut me dire c'est quoi la définition de la beauté, parce que cette musique, mais pff, oh mon dieu, quoi. C'est fermé à clé. Mais tiens, mais la porte de Mekonis, enfin la clé de Mekonis que j'ai, elle peut pas m'ouvrir ça? Non? Bon, tant pis. まだ動力が生きてるんだ。フィオル、どうしたのだ。みんな、ついてきて。なんだこれ。 ここにあるみたいだけど、これ映像だ。嘘だろ。あ、本当だ。これは遠い遠い過去の記憶。フィオル、かつてこの地を去るマシーナが自分たちのことを知ってほしくて残した記憶。この声は。 古の世界に巨神と鬼神が現れた時、私も誕生しました。巨神の魂と同じように、私もまた鬼神の魂としてこの世界に存在を許されたのです。 私はこの鬼神界に自らの子を誕生させ、この体を得ました。彼らはマシーナと名乗り、鬼神界を命あふれる世界に変えていったのです。マシーナは高度な文明を築き、巨大な都市を作り上げるまでに至りました。 この町って昔はこんなに栄えていたんだ。穏やかな心を持つマシーナたちも私を愛し、平和に暮らしておりました。そしてそれは巨神界でも同じでした。彼らは 自分たちの文明の産物を巨神界の生命たちにも惜しみなく分け与えていました。二つの世界は共に発展していくかと思えたのです。そんな時、恐ろしい運命が彼らの頭上に舞い降りたのです。 なぜ巨神が。巨神は光の剣を手にマシーナたちを滅ぼそうとしました。
あれはテレシア。私はマシーナを救おうと巨神にザンザに立ち向かいました。ザンザだって？長きにわたって続きました。ザンザも私も己の生命力を削りながら戦いを続けたのです。しかしついに決着の時が訪れました。ザンザはこの時監獄島に、私が深手を与えた隙をついて巨神界の生命がザンザを封印したのです。ですが私もまたザンザとの戦いで生命力をひどく消耗していました。マシーナのわずかな生き残りたちに私は告げました。巨神は未だ滅んでいないこと、いつか蘇るであろうことを。僕がこの手でそれを。そして私は深く長い眠りについたのです。来るべきザンザの復活に備えて。そうだったんだ、あなたのやりたかったこと。巨神と鬼神の戦いを止めたかったんだね、フィオルン。そうか、君の中にいたのは。そう、自由に活動する体を求めていたメーナス様のために私が魂を移したのです。エギルの鬼神兵によって偶然捕獲されたあなたの体に。なぜ私の体でなければならなかったの？それはあなたがモナドの後継者、シュルクに近しい人物であったから。この町が廃墟になったのは、c'est à cause de notre monde, à cause de Bionis que cette cité a été anéantie. こんな姿を見たら、je comprends maintenant pourquoi Egil souhaite empêcher le réveil de Bionis. Moi aussi je comprends, mais à quoi bon les exterminer? C'est pas ça qui va résoudre le problème. Exactement. L'histoire des Machina est une tragédie. L'attaque des Mekon sur Bionis est impardonnable. Mon inquiétude concerne plutôt la Monado utilisée par Bionis. Elle est fidèle aux descriptions des légendes, mais elle doit renfermer un pouvoir terrifiant. Tu en as fait bon usage, Shulk. Contrairement à moi, tu as parvenu à la maîtriser. Il a raison, si tu n'avais pas utilisé Monado, j'aurais pas donné que cher notre peau. Mais c'est Zanza qui m'a transmis cette épée. Toutefois, ce n'est pas Zanza qui la manie. C'est toi et toi seul, Shulk.
Ceci pour cela que Meynas a choisi de s'incarner en Fiora. Elle veut s'assurer que la tragédie du porteur de Monado ne se répéterait pas. La tragédie du porteur de Monado ? Shulk, garde confiance. Tu dois croire en ton chemin et en ceux qui ont besoin de, qui ont choisi de le parcourir avec toi. Meynas a un jour prononcé ces paroles à propos de Monado. Monado n'est pas seulement une arme unique. Elle incarne la lumière qui habite tous les êtres de ce monde. La lumière ? Qu'est-ce que ça signifie ? Elle faisait référence à la lumière de la vie, à l'instinct de survie qui nous anime. Peut-être Dame Meynas a-t-elle été attirée par ta lumière ? Vous arrivez bientôt au sanctuaire de Meynas. C'est là que vous trouverez Egil. Avez-vous toujours l'intention de combattre Egil ? Vous n'avez pas changé d'avis ? Nous connaissons maintenant l'histoire de Mekonis. S'il veut bien nous écouter, nous essaierons de le raisonner. Mais s'il refuse, je comprends. Si telle est votre décision, je la respecterai. Je tenterai de convaincre Egil une dernière fois, même si je m'attends à ce qu'il refuse. Banea. Banea a dit qu'elle essaierait de le raisonner, mais elle semblait pas se faire d'illusions. Nous devons la suivre. Mais comment nous rendre au sanctuaire ? Il y a un transporteur droit devant. Mais il est activé. Nous devons le remettre en marche en utilisant les dispositifs d'identification. Il y en a un au sommet de chacun des quatre piliers. Si nous parvenons à les activer, nous pourrons utiliser le transporteur. Comment Fiora sait ? Grâce au souvenir de Meynas, celle qui me l'a dit. Elle sait comment les activer ? Mon corps est peut-être la clé dont nous avons besoin. Très bien, commençons à chercher. Et ben voilà, on a appris pas mal de choses là. Bon, d'un côté, on avait vu dans les épisodes précédents que c'était bien Zanza qui avait lancé l'attaque sur Mekonis. Et maintenant... c'est ça, c'est maintenant, vous vous dites... Enfin, moi en tout cas, je me suis dit, putain, mais alors en fait... C'est qui le vrai méchant et le vrai gentil dans l'histoire, quoi. Ouais, c'est... ça que j'aime bien, c'est ces retours scénaristiques comme ça que j'adore dans les jeux et dans les RPG, surtout. Surtout que Xenoblade, quoi, c'est... Pff, franchement, c'est... Waouh. C'est excellent, quoi. J'adore ces retours de scénario comme ça. Alors, je vais juste voir combien de temps on est. Ah, quand même, 27 minutes, hein. Mine de rien. Bon. Bah, écoutez, c'est parti. On va commencer un petit peu... l'exploration d'Agnirata et tout ce qui s'ensuit. On va tenter de faire les quêtes également pour Agnirata. Même si combattre des ennemis uniques, ça va être tendu, tendu, tendu. Mais il le faudra, hein. Il le faudra bien tôt ou tard. De toute façon, il le faudrait, enfin ça serait dommage, parce que après, on pourra plus y aller, donc pour mieux les faire, les quêtes, quoi. En plus, ça me permet d'avoir de l'XP, tout ce qui va avec. Ah ça, on devait en buter les Mekon Hast, là, je m'en souviens. Allez, viens de battre, enfin, venez vous battre. Non, là, en tout cas, j'espère que ça a lavé beaucoup de questions. J'espère que ça vous a apporté suffisamment de réponses à vos questions. Bon, bien sûr, hein, il y a encore des zones d'ombre, vous en faites pas, ça va encore se dévoiler, hein, il y a encore des choses à révéler. Non, vous en faites pas. Mais voilà, j'espère que pour certaines questions, vous y voyez plus clair maintenant. Ok, 1 sur 5, ça c'est bien. Et 2 sur 5.
Pièce 9S. Ok, ouais, ça il m'en faut 4. On va essayer de tout dégoter, hein. Ah, ça serait, comme je dis, ça serait dommage, quoi. C'est des quêtes qui augmenteront notre popularité au sein de du village Machina. Ce qui pourra me donner accès après à les nouvelles quêtes et autres. Ce serait vraiment dommage de passer à côté, quoi. Trop tôt. C'est vrai que Xenoblade c'est vraiment un jeu mais chronophage quoi, tu vois pas le temps passer, c'est un truc de fou hein. C'est vraiment un truc de fou quoi, tu vois pas le temps passer sur Xenoblade, c'est un truc hallucinant. Allez, viens de battre, venez vous battre, c'est quoi l'autre? Union, je sais pas si je vais le battre celui-là, il me semble mais je suis pas sûr. Mais voyez que voilà, hein, faut quand même être niveau 60 et quelques hein, pour bien survivre ici. Hein. Sans quoi, vous êtes un petit peu dans la merde. Là, de toute façon, la plupart après des mécones nommés qu'on va rencontrer, ils vont tous être niveau, je crois, 68, un truc comme ça. Pff, ça va être vraiment difficile. Pilier de Kalkos. Eh ben. C'est quoi l'autre? Misère. C'est la misère! Par contre, non, je crois que c'est les seules petites quêtes qu'il y a disponibles au village, enfin à Agnirata. C'est les seules quêtes, normalement il n'y a pas d'autres quêtes après, de mémoire. Donc il y a l'autre là qui s'est rejoint, là, l'espèce de Xord. En fascia de série. 67 hein, quand même, vous voyez qu'il a mon niveau. Ça devient déjà un peu plus compliqué hein, qu'on les ait mis en bon niveau ou presque. Bon après il y a vraiment moyen là. Maintenant qu'ils ont bien combattu ensemble, je pense que se sont bien renforcés au niveau des liens. Donc il y a vraiment moyen après de faire des gros combos de psychopathes quoi. Il m'a rendu immobile, mais ça change rien. Je peux toujours t'attaquer, donc ça y a pas de souci. Fascia ensanglantée, je crois que c'était ça qui était écrit, j'ai même pas lu. Ah, bah là, il y a un Telesia. J'ai examiné le Telesia comme l'avait demandé le terminal. Bon, je pense qu'il va répéter la même phrase à chaque fois. Plateforme numéro 1. Voilà, ça c'est fait. Et Fiora niveau 67. Alors, maintenant on redescend. Ouais, là on peut passer. Je crois qu'il y avait encore un autre truc en dessous. Il y a tellement d'ennemis à défoncer de toute façon. Il y a juste trop d'ennemis à combattre ici. Hein. Je crois que justement on va voir après là un des fameux Mekon uniques à combattre. Ouais.
Charla va tomber, va chuter normalement. Va la relever, Fiora. Ça s'améliore entre ententes entre vous deux. Même pas. Égoïste. Ah, trop tôt, chier. Ok. Ah ouais, mais on a avoir de l'exploration à faire. Ah si, ça descend. Ça descend, mais je sais pas s'il y a vraiment des choses à faire par là en bas. Ouais, combattre ceux-là. Je crois qu'il y a Mekon unique un peu plus loin justement. Je sais pas combien de temps on est. 36 minutes, ouais. 40-45 minutes, j'arrêterai. Mais là, on se rapproche hein, quand même, petit à petit, on se rapproche du point de non-retour. Hein. Donc si vous avez... enfin, non-retour. J'entends, si vous avez des quêtes à Alkamoth, donc la capitale des Hyent, il faut les faire maintenant. Parce que après Agnigrata, c'est terminé. Vous pourrez plus jamais les faire. C'est pour ça que je veux aussi, avant de finir Agnigrata, je vais aller voir si j'ai pas des quêtes que je peux débloquer ou que je peux faire du côté d'Alkamoth. Ça serait dommage de les louper, quoi. Ça serait vraiment dommage. Ça, bah, toujours, hein, ça donne de l'XP, ça peut donner des traits de caractère pour des persos. Ce serait absolument dommage de les louper. Ah, donc là, on peut grimper, mais non. Ok, ouais, je vois que ça m'amène. Pilier de Hellas. Bah, j'ai envie de dire à déconner. De toute façon, il faut que je les combatte donc. Maintenant que j'ai pas l'autre au-dessus qui va se ramener, parce que je sais qu'il y en a un au-dessus encore là, les fascias. Ah, merci. Ça aurait été trop beau s'il ne se ramenait pas. Bon, qu'est-ce qui est bientôt détruit là? Aucun, puisque tout le monde ça s'attaque à un ennemi différent. Pour l'instant, concentrez-vous sur celui-là. Parce que ce qui est chiant, c'est qu'il se dirige toujours vers un ennemi qui a rien à voir, quoi. Ah merde, j'étais trop lent. Il y a tellement de trucs à l'écran. Allez, toi, adieu. Normalement, il est mort, l'autre. Normalement, je dis bien. Ah non, il est. Ah non, il est. Il a survécu, le salaud. Oh putain. Ok, le temps de la formation. Oh non, Charla a pas pu faire le truc. Ah, elle a pas pu faire l'enchaînement, merde.
Vite, ce soir je vais crever. Ouf. Bon bah du coup t'as survécu, donc tu vas recrever hein. Parce que c'est comme ça. Ouais ouais, je vais activer la tour en haut puis on s'arrêtera là. Parfait. Attends, est-ce qu'au moins ça rapporte des trucs pour la... Ah, ça rapporte même pas enfin un truc de quête pour le village quoi, rien du tout. Exterminateur. Putain, ça c'est pas un monstre unique, mais c'est un ennemi puissant. Non, je crois que là, normalement, il y a un des premiers monstres uniques qui est par là, normalement. Voilà. Là-bas, Grimory le Sage, 68, hein, vous avez vu. Et lui, je sais qu'il m'a causé bien des soucis. Bon, allez, je vais activer le pilier, et on s'arrêtera là. Ah ouais, d'accord, j'ai carrément un... Ok, pourquoi pas. Niveau 65 dans la gueule. Ouais, après, je vais m'arrêter là parce que... Oula. Oh putain. Parce qu'après, je disais, j'ai mon... Un jeune cousin d'Espagne qui vient pour le travail, il a présenté un produit là à une assemblée ou je sais pas quoi, enfin comment dire, il a fait une conférence pour présenter un de ses produits avec son entreprise et il est de passage à Genève en fait pour présenter ça, donc il va venir chez moi ce soir pour manger et tout ça, donc faut juste que je range ma pioule et tout le bordel. Je sais que ça vous intéresse pas, que vous en avez rien à foutre. Mais c'est pas grave. J'avais envie de le dire quand même. Attends, parce que là... Voilà, plateforme numéro 2. Parfait, mais par contre je vais juste voir où ça ramène ça, parce que je sais plus du tout où ça me ramène. Alors, ok. Ah ouais, en fait c'est carrément... on est quasiment à côté du transporteur quoi. Normal. Bon, vu qu'il n'y a pas trop d'ennemis de ce côté là. Attends, juste voir un peu ce qu'il y a. Ok, ouais, bon. Ok, ça marche. Bon, écoutez, les gars, on va s'arrêter là pour l'épisode 41 de Xenoblade. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis donc à tout bientôt pour la suite. Allez, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.